Hey, Matelot ici, Defroy. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de ce tutoriel pour réaliser cette maison sur Minecraft et aussi la deuxième partie de la visite parce que la dernière fois on avait laissé certaines parties de la maison vides finalement et on l'a complétée d'ailleurs sur Twitch. Si jamais vous voulez me suivre aussi sur les lives qu'on fait sur Twitch, eh bien n'hésitez pas, je vous mettrai le lien dans la description. Bref, je vais vous montrer tout ça, donc hop. Je vous avais déjà montré, oula, je vous avais déjà montré du coup cette partie là hein, avec les chats, avec le bowling et tout ça. Et donc du coup on a fait la partie du dessus, les étages du dessus. Hop, voilà. Alors on a fait donc un petit salon à ce niveau là, vous voyez. Avec, alors oui il y a des gouttes qui tombent du plafond, ça c'est encore à régler mais vous allez comprendre pourquoi. Donc avec un grand salon à ce niveau là. Petite table sympathique. Vraiment très très grand salon là pour le coup. On a vraiment utilisé la taille des meubles à notre avantage. Taille de la pièce également. Le travail de plafond j'aime toujours bien. Vous voyez avec toutes ces espèces de poutres et toutes les lumières comme ça un peu partout. Hop, la première chambre. Du coup, donc hop, avec l'idée d'utiliser la fenêtre comme la tête de lit en fait finalement. Qui me donne directement sur un paysage, sur les montagnes, ça c'est cool. Lit fait en gravier, parce que pourquoi pas, vous voyez, avec de la laine blanche sur le côté et du gravier de l'autre, avec des tapis comme ça, histoire de donner l'impression que ce sont les draps qui sont tournés un peu, vous voyez, avec les oreillers en tête de lit et fait en neige, ce genre de choses. Hop, voilà, quelques coffres pour le bas du lit, et puis voilà. Puis voilà, toute cette grande tête de lit, toute cette grande... qui voilà, tête de lit, oui, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, qui entoure complètement la fenêtre pour la petite astuce. Voilà, sinon des armoires et des meubles assez classiques, mais voilà, qui font le taf, qui font le travail. Hop, qui est directement relié aussi, d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, à une salle de bain privée, privative, pour la chambre. Vous voyez, donc, avec classique, les robinets. Hop. Évidemment, le petit tableau qui prend pas du tout l'humidité, évidemment, vu qu'on est dans une salle de bain. Les bannières comme ça, justement, fait en cadre pour donner l'illusion d'un miroir. Ça, c'est cool, ça aussi. Et surtout, regardez-moi ça. Regardez-moi cette baignoire. On avait même la possibilité de mettre de l'eau si on veut. Ah, voilà, donc... hop. Voilà. On peut même mettre de l'eau dans la baignoire avec les robinets sur le côté. Le tableau qui fait la même largeur que la baignoire elle-même. Ici, voilà, évidemment. Hop, le petit porte-serviette. J'espère que ça se comprend bien avec la bannière à côté qui fait la serviette, justement. Voilà, pareil avec le sol en damier. Ma foi, on a une petite suite sympathique ici pour la première suite de l'étage. Alors, deux secondes avant les urgences, n'est-ce pas? Hop. Oui, alors on essaie de donner des noms pour les tableaux aussi, on a essayé de trouver tout ça en live aussi. Donc, alors oui, on arrive sur un bureau. Donc ici, énorme siège, vous voyez, de 3 blocs de large sur 2 blocs. Tout en briques du Nether, histoire de donner vraiment cette impression de deux trônes, de parrain de la mafia, vous voyez. Parce que pourquoi pas, avec un tableau immense et une table immense aussi. Ça reste sobre, mais qui marche bien, je trouve. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on arrive directement ici sur la sortie. Alors, pour la poursuite de l'étage, ici, on a carrément fait une salle de sport. Et oui, regardez-moi ça. Avec les... ah oui, avec les shaders, du coup, les barres de laine, elles luisent beaucoup. Mais en gros, ce sont des haltères, vous voyez. Des têtes de wither avec des end rods. Et c'est l'un d'entre vous, d'ailleurs, qui m'avait donné cette astuce-là sur Twitch lorsqu'on faisait l'aménagement. Donc, c'est cool, vraiment. Hop, le petit banc... je sais pas comment ça s'appelle honnêtement, les tapis de course, vous voyez ici avec les horloges, les montres là pour donner le temps et tout ça. Le sac de frappe et les outils pour faire du papillon là. Vous voyez, vous mettez ici, hop, vous accrochez vos bras à chaque morceau
Et hop, vous essayez de tirer devant vous comme ça. Et en même temps, vous avez une vue sur le lac. Moi, je dis c'est royal. C'est royal. On continue, hop, au travers du pont ici, si vous vous rappelez. C'est quand même stylé comme vue, j'aime bien, moi. Aïe. On va, du coup, sur ce petit salon, à ce niveau-là, qu'on n'avait pas fait la dernière fois encore. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'aiment pas les purpures, les blocs en purpure comme ça. Mais voilà, ça permet de donner des sièges un petit peu différents de d'habitude, avec une couleur différente et tout ça. Donc, pourquoi pas. Et puis là, ça passe bien quand même dans le ton des couleurs. Voilà, le petit salon qui donne après sur la... Hop, sur le truc ici. Très bien. Alors, on va recontinuer avec le dernier étage, le tout dernier étage, là où il y aura toutes les chambres. Les chambres qui restent, évidemment. Hop, ici donc. Et je trouve que c'est un endroit super sympa, super cosy, honnêtement, parce que... bon, oui, effectivement, des bougies posées sur un truc dans une maison en bois, voilà, tout va bien. Il n'y a pas de risque de feu du tout. Ici, vous voyez un petit salon qu'il y a entre plusieurs chambres. Ici, vous avez... C'est pas ça que je voulais faire, voilà. Ici, vous avez une chambre. Là-bas, vous avez deux chambres aussi. Et en plein milieu, vous avez un petit salon. Très cosy et donc très... très privé, en fait, finalement. Parce que c'est pas l'endroit pour les invités, normalement, à la base. Et c'est pour ça qu'il y a plein de trucs qui traînent un peu partout sur les étagères. Vous voyez. C'est pas fait pour être design, c'est fait pour être intimiste. Vous voyez ce que je veux dire? Et je trouve que ça marche plutôt bien avec l'arbre à chat, là, et le chat qui s'appelle Pot Pot Lolo. D'ailleurs, dédicace, hein. Et puis, voilà. On arrive sur une chambre avec, vous voyez, toujours cette astuce-là d'une tête de lit avec du verre à l'intérieur, comme pour une fenêtre, finalement. Hop, des fenêtres de part et d'autre aussi, d'ailleurs. Et encore une fois, j'ai pas voulu faire un aménagement d'un point de vue strictement design. J'ai voulu le faire pour qu'on se sente bien à la maison. C'est vraiment dans un design cosy, intimiste et pas tant pour le design pur. Vous voyez, avec des grandes lignes comme ça d'armoire sur le côté. Hop, on a mis des bureaux, pas du tout, des coffres partout avec des bannières pour faire penser à des vêtements. C'est quelque chose de plus pratique. Mais j'aime bien dans l'idée. Vous voyez, avec des crochets pour les porte-manteaux, pour faire genre porte-manteaux, ce genre de trucs. Juste sous les charpentes, j'avoue, ça aussi, c'est un truc qui est cool. Qu'est-ce qu'on avait marqué ici? Je me rappelle plus. Elgin Dawkins, d'ailleurs, dédicace. Et hop, ici sur le côté, on a une autre chambre également. Avec beaucoup de décorations en armure comme ça. Ah oui, j'ai pensé aussi à mettre un panier à linge sale en composteur. Ça le fait complètement en vrai, hein, pour un panier de linge sale, je trouve. Vous voyez, donc là, on est vraiment sur un peu une autre ambiance. Une tête de lit beaucoup plus simple. Voilà, encore des placards. Une armoire encore, voilà, assez simple, sur deux blocs de profondeur. Avec les bibliothèques. Des armures, parce que j'avais envie de donner un petit style à cette maison-là, à cette chambre-là en particulier. Voilà. Et la dernière chambre, du coup, qui elle aussi a sa salle de bain privative, la grande chambre de la maison. Hop, vous voyez, avec toutes ces charpentes aussi, cette hauteur sous plafond, ce lit majestueux, un truc qui n'a aucun sens, mais j'avais envie de faire un truc un peu fantaisiste, avec une tête de lit de ouf, avec un lit comme ça qui se reprolonge dans le même style, tout en bois de bouleau, parce que j'avais envie de donner ce thème-là à la chambre. Ça fait un drap un peu style léopard aussi, léopard des neiges, ça fait un peu bizarre, mais je crois que la neige est en train de fondre, malheureusement. Je suis pas sûr, mais c'est possible. Peut-être les baies lumineuses font peut-être fondre la neige. Peut-être, je sais pas. On verra bien. Donc voilà, sinon, il y a aussi un mélange. J'ai quand même voulu faire un mélange à la fois traditionnel et moderne. C'est-à-dire le lit, il est quand même plutôt moderne, on va pas se mentir. Mais les armoires ici, vous voyez, plutôt traditionnelles dans le style. Là aussi, pareil, avec un petit pupitre.
Puis voilà, les grosses charpentes et tout, ça c'est fait. Et puis bah, forcément, là, la grande fenêtre, imagine, tu te réveilles ici le matin et t'as cette vue-là en face de toi. T'es quand même assez royal, on va pas se mentir. Et la salle de bain privative, évidemment. Hop. Là, pareil, toujours hein, des baignoires de la taille d'un appartement parisien. Avec les grands tableaux qui vont avec, évidemment. Hop, une cabine de douche quand même aussi. Et puis avec un petit hopper, un petit entonnoir en dessous pour récupérer l'eau de pluie. Même si, enfin l'eau de pluie, l'eau de pluie de la douche. Même si oui, c'est pas forcément utile, mais au moins ça fait le design. Alors, pareil, lavabo avec tout un tas de petits produits et tout. Une petite encoche ici sur le côté pour donner un petit peu de lumière et un petit peu de déco aussi. J'arrive pas à me sortir de là. Voilà, un petit peu de déco avec des baies lumineuses. J'aime bien les baies lumineuses, en vrai. J'aime bien les lampadaires, les trucs qui pendent et qui font de la lumière, en fait. J'avoue. Bref, je pense que c'est tout. Non, c'est pas tout. Il y a un truc aussi, évidemment. Si vous vous rappelez bien, il y avait un passage secret. Il y avait un passage secret la dernière fois qu'on avait visité la maison lors de la première partie. Hop. Youp. Qui était hop, au sous-sol, enfin au premier étage, juste en face du cinéma, vous vous rappelez, hein. Hop, lit son passage. Youp. Et on passe dans le petit passage secret que j'ai réaménagé du coup. Et on arrive. Hop. Hop. Alors là, faut faire ça comme ça. Paf! Donc là, on est accroupi. Si je me mets en vue comme ça. Oui, j'ai pas mon skin, tout va bien, c'est normal. Hop, et on peut passer comme ça dans une... Youp! Dans une piscine privée. Voilà, chauffée. En dehors des intempéries, mesdames et messieurs. Hop! Voyez un peu ce que ça donne. Avec des transats, bon, ils servent pas forcément à bronzer, pas beaucoup, mais au moins, voilà, vous avez une piscine à l'intérieur de la maison par laquelle on rentre par un passage secret, entre autres, parce qu'il y a aussi des, il y a aussi des portes. Si jamais vous pouvez vous chauffer, si jamais vous avez envie, à la limite, vous comblez complètement ce mur-là, vous enlevez les portes, vous voyez, et vous avez, d'un côté et de l'autre, vous comblez les portes, vous bouchez les fenêtres. Et à ce moment-là, vous n'aurez plus la possibilité d'entrer dans cette pièce-là que par le passage secret en question. Et vous aurez vraiment... Ah oui, et l'escalier aussi, il faudra l'enlever. Et vous aurez que un passage... Vous aurez une pièce complètement secrète. Ce sera une piscine secrète. Parce que pourquoi pas. Mais surtout, regardez, il y a un petit pont qui passe d'un côté de la piscine à l'autre. La piscine coupe la pièce en deux et on a accès à l'autre partie via un pont au-dessus de la piscine qui est fait lui-même en feu de camp éteint. Voilà, voilà. Et on peut passer par-dessous, pas de problème. Voilà pour les nouveautés du coup. Ah oui, il y a quelques petites mushroom lamps, champi lampes dans le truc, comment on appelle ça, là, le mur aussi. Et puis voilà. Donc pour l'aménagement d'intérieur. On va recontinuer du coup maintenant là où on en était arrivé sur le tutoriel. Ok, donc on en était resté la dernière fois à ce niveau-là. En fait, on avait fini les deux premiers étages, enfin ici donc rez-de-chaussée, premier et deuxième étage, on était vraiment resté à ce niveau-là. Et tout ce qui est au-dessus à ce niveau-là, vous voyez, donc tout ce qui est au-dessus ici, c'est ce que je viens de rajouter, c'est ce que je vais vous expliquer, et ça sera à vous de le refaire, d'accord. Donc, normalement, lorsqu'on est en face de la maison ici, vous étiez arrivé à ce niveau-là. Donc, l'idée étant de prolonger les piliers en bois qu'on avait commencé à mettre la dernière fois, ok, et les prolonger comme ça. Le pilier qui est sur le devant ici, sur la façade, on va le prolonger à partir de là jusque ici, donc en ne comptant pas la grande poutre en dessous, hein, jusqu'ici on a 15 blocs supplémentaires à mettre, d'accord. Hop, le pilier qui est sur le côté ici qu'on va prolonger sur, hop, 8 blocs.
D'accord ? Et on va prolonger tous les autres piliers à 8 blocs de hauteur sur toute la longueur ici comme ça. Et de l'autre côté aussi, tous les piliers qu'on avait déjà mis en dessous, on va les prolonger. Et puis voilà, sur 8 blocs chacun. D'accord ? Alors ici, sur le côté, à ce niveau-là, normalement vous aviez ces blocs-là ici déjà. On va mettre des blocs de bûches de chêne ici comme ça, en escalier jusque à ce niveau-là. Donc ça doit vous arriver à 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs de hauteur ici pour avoir une espèce de chapiteau comme ça. D'accord ? Hop, le bloc en arrière ici jusque à ce niveau-là, tout en chêne. Ok, d'accord. Bon. Et arriver à ce niveau-là, donc en dessous de notre poutre ici. Alors la poutre, vous ne l'avez pas encore mise, mais l'idée étant de mettre du coup à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs de hauteur, en laissant juste un petit bloc dépassé. Ok. Une longue poutre qui va sur toute la longueur du bâtiment. La même chose de l'autre côté, ok. Et sur les façades, la même chose, on avait mis ça ici, ok, bah vous remettez la même chose à ce niveau-là, donc à la même hauteur que les poutres du côté. Ok, normalement, cette poutre-là, du coup, vous arrivez juste en dessous de celle qu'on vient de mettre, et vous refaites exactement la même chose, des escaliers ici en bûche de chêne, pour atteindre le coin, en fait, vous voyez ici, de chaque partie. Voilà, comme ça. Ok, une fois qu'on a ça, vous mettez bien les grandes poutres, les grands piliers ici de façade à 15 blocs de hauteur et à l'arrière également. Et au-dessus de tout ça, on va mettre une grande poutre en longueur sur toute la longueur de la maison que l'on va faire dépasser de 1, 2, 3, 4 blocs par devant la façade de la maison. D'accord ? Et pareil de l'autre côté, hop, évidemment, ici comme ça. 1, 2, 3, 4, ah bah 5 ici même d'ailleurs. Je viens de vérifier, c'est bel et bien ça, hein, c'est bel et bien 4 et 5. Donc 4 de ce côté-là, 5 de l'autre. Ok, donc normalement vous avez cette partie ici de la maison qu'on vient de faire. On va faire l'autre partie du coup ici maintenant. Hop, donc on va venir sur la façade ici, on va venir prendre les piliers à ce niveau-là et vous allez prolonger ce pilier-là jusqu'à 7 blocs de hauteur. Ici, le pilier à côté, pareil, 7 blocs de hauteur aussi. Et le pilier qu'il y a sur le côté, vous mettez juste un bloc qui dépasse. Un bloc ici qui dépasse sur la longueur. Et la même chose sur les autres piliers qu'il y a sur cette façade ici. Là, vous voyez, vous mettez un bloc ici, un bloc ici, un bloc ici, un bloc là-bas. Alors, sur les autres piliers, on va maintenant à l'intérieur de la cour de la maison. Les piliers qu'on a ici, ok, on va le prolonger sur 4 blocs de hauteur. Celui sur le côté, on va le prolonger sur 8 blocs de hauteur. Donc, il faut faire juste attention à les piliers. Il n'est pas du tout à côté de cette ligne de bois qu'on avait mis ici. Hein. Ça, c'est, ils sont pas raccords les deux. On va aussi mettre du coup les autres piliers qu'on a à ce niveau-là, vous voyez, on va les prolonger de 2 blocs de hauteur, ok, sur la partie du dessus. 2 ici, 2 ici, 2 ici, 2 ici. Ok. Sur notre façade à ce niveau-là, ok, vous avez donc 2 blocs ici. Alors là, bon, normalement, vous avez comme ça. D'accord, voilà. Vous avez 2 blocs ici et un bloc à ce niveau-là. On va commencer à faire une partie du toit à ce niveau-là, d'accord ? Donc vous allez mettre des charpentes à ce niveau-là. Donc un bloc de bûches de chêne dans ce sens-là. Puis 2, puis 2, puis 2. Ok ? De l'autre côté, on va mettre 2 blocs de chêne ici comme ça sur le dessus. Puis 2, puis 2, puis 2, tout en diagonale. Et le normal. Normalement, si vous avez tout bon, vous avez juste un espace comme ça pour mettre une seule bloc de bûche entre les deux. Et vous prolongez une grande poutre comme ça jusqu'à être aligné ici, c'est-à-dire aligné avec les autres piliers à ce niveau-là. On va faire dépasser cette poutre-là de 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs par devant la façade. Ici comme ça. Ok. Donc si vous voulez avoir la longueur totale d'ailleurs de cette poutre, hop, on va jusque ici, donc 28 blocs de longueur.
Ok, une fois qu'on a ça, on va pouvoir revenir à ce pilier-là, d'accord? On va laisser une bûche en diagonale, deux bûches de bois ici comme ça, deux bûches comme ça, et deux bûches comme ça. Et normalement, vous recollez avec, ou trois bûches dans cette longueur-là, vous voyez? Et normalement, vous recollez avec la grande poutre qu'on vient de mettre ici. Ok, une fois qu'on a ça, vous reprenez ces deux bûches ici et vous refaites un autre pilier de 1, 2, 3, 4 blocs de hauteur ici comme ça. Ok. Alors, on va faire directement le toit ici, hein, maintenant qu'on y est. Donc, vous partez de ce pilier là. Ok, ici, deux blocs de hauteur et vous mettez des bûches comme ça. Deux par deux à chaque fois. Donc, deux ici, deux, 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 deux. Ok, vous en mettez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 marches, on va dire, marches de 2 blocs de bûches, d'accord, jusqu'à arriver ici. Normalement, vous arrivez voilà, entre les deux piliers ici qu'on vient de mettre. Ok, je rappelle, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 blocs de bûches, de 2 bûches. Et après, vous repartez en descendant dans l'autre sens. Donc comme ça, normalement, si tout va bien, vous arrivez pile poil au-dessus de pilier qu'on vient de mettre, ainsi que juste à ce niveau-là, vous voyez, au-dessus des bûches qu'on avait déjà mis. Ok, vous continuez ici, 2, 2, 2 et 2. Et normalement, vous arrivez juste au-dessus de ce bloc-là, hein, qu'on avait mis juste un peu avant. Alors maintenant qu'on est arrivé là, normalement, cette bûche-là, vous ne l'avez pas encore mise, cette... poutre là, vous ne l'avez pas encore mise, donc l'idée, bah, c'est de la mettre maintenant. Entre ce bloc là, hop, et ce bloc là ici, youp, une grande poutre en bois tout du long, ok. Et on va faire dépasser des bûches de deux blocs ici, comme ça, sur le côté. On va les prolonger encore par la suite, mais pour l'instant, on met juste ça comme ça. Vous voyez, deux blocs ici, deux blocs ici, deux blocs là-bas. Ok. On va prolonger maintenant le toit. Hop, sur ce côté-là, on met des bûches ici comme ça, vous voyez, donc là, à tous les endroits où on a mis des bûches comme ça. Vous mettez des bûches ici comme ça, en deux par deux, jusqu'à rejoindre la poutre du centre. Puis après, la même chose de l'autre côté, vous descendez en deux par deux, sauf que vous vous arrêtez à ce niveau-là. D'accord? Donc vous voyez ici, vous vous arrêtez à ce niveau-là. Parce qu'il va y avoir un mur et du coup, ça sert à rien de prolonger. Ok, donc il va falloir faire exactement la charpente de la façade ici, de la même façon que ce qu'on a fait de l'autre côté ici, hein, vous voyez. Vous repartez de ce pilier là, vous mettez à deux blocs de hauteur, des bûches comme ça, et vous remontez en escalier de deux blocs par deux blocs jusqu'ici. Donc vous en comptez 10, je crois toujours, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tout là. Sauf que au niveau du sommet sur la façade, vous allez mettre les bûches de bois vers vous, enfin vers l'avant. Ok, et vous redescendez pareil, normalement vous devrez tomber pile poil sur les blocs qu'on avait mis juste avant. Ok, je crois que c'est à peu près bon. Si mes explications ne sont pas super claires, vous pouvez toujours vous référer au plan que vous avez sous les yeux, normalement ça devrait aller. Ok, étape suivante maintenant, on met les bordures du toit. Vous voyez ici, hein, on a mis les bordures pour le toit, ainsi que les charpentes, et les charpentes ici. Donc on va commencer par ce côté-là. Hop, vous reprenez la base de votre charpente ici, vous comptez 1, 2, 3, 4 blocs sur... vous revenez en fait sur ce pilier-là tout simplement, et... à 1, 2, 3 blocs au-dessus de la poutre à ce niveau-là. Un bloc par devant, ici un bloc sur le côté, vous posez votre première dalle de sapin. Et de dalle en dalle, tout simplement, comme ça, tout jusqu'en haut, c'est-à-dire, hop, jusqu'à ce niveau-là, c'est-à-dire que normalement, vous devriez avoir la possibilité de pouvoir prolonger vos poutres ici, jusqu'en dessous de la dalle à ce niveau là. On va même mettre un bloc par devant, donc vous allez prolonger ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs de poutre par devant en fait votre façade. Ici pareil, à l'arrière on va prolonger, hop, les poutres jusqu'à l'autre côté de la maison, d'accord, comme ça.
Et vous pouvez aussi partir de là d'ailleurs, hein, vous pouvez mettre les poutres ici directement comme ça, et à partir de là mettre vos dalles et descendre petit à petit jusqu'à arriver à ce niveau là, donc juste à côté de ce pilier là aussi. Donc deux dalles en dalles, hein, juste une dalle puis une dalle à chaque fois comme ça. La même chose de l'autre côté, ok. Et donc au niveau de cette poutre là, hein, on va la prolonger sur 6 blocs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pour avoir une bûche de plus par devant la façade que le toit, hein, lui-même. Normalement vous arrivez ici, hein, au niveau de votre dalle de sapin jusqu'en haut, comme ça, ok. Et vous descendez encore jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 marches. 11 marches au total de dalles en sapin, d'accord. Youp, la même chose de l'autre côté. On va venir ici sur notre façade. On avait mis ça déjà. On va remettre la même chose ici. Hop, comme ça. Donc 2, 3, 4, 5, 6 blocs par devant la façade. Ok. Et on met des ailes de sapin comme ça jusqu'à arriver ici. Et on prolonge pareil de 11 blocs de marche de dalles comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ok. Et on rejoint les deux dalles, donc celle de là-bas et celle d'ici, d'une seule traite, ok. Hop, on revient ici et on va compter de l'autre côté du toit ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 marches, donc en dalles, ok. Dans ce sens-là, normalement vous avez juste un bloc de différence par rapport à ce plancher là, d'accord. Puis après on va dans ce sens là jusqu'à ici, donc ici il y aura le mur en fait, hein, vous voyez, donc on arrive ici directement au niveau des dalles, ok. Une fois qu'on a ça, on va venir mettre les poutres ici sur le côté, donc vous voyez ces grandes charpentes ici, hop, qu'on avait pas continuer tout à l'heure. Hop, normalement vous avez juste les deux blocs qui dépassent ici comme ça, ben vous prolongez jusque toucher notre partie en dalle. La même chose à ce niveau là, la même chose là bas, la même chose là bas. Et une fois que vous avez toutes vos charpentes ici comme ça qui touchent les dalles, et bien vous faites une grande ligne ici avec une grande ligne de bois, une grande poutre en bois, hein, entre toutes les charpentes ici comme ça. Une fois qu'on a ça, on va aussi mettre des charpentes en dessous, et c'est là que ça va être intéressant. En dessous ici, les charpentes qu'on vient déjà de mettre, on va mettre des supports, ok. On va prendre ce repère là, donc cette poutre ici pour le premier étage, ou le deuxième étage, et on va partir de là, d'accord. Ok, et on va faire tac 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 tac, tac 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 tac. Comme ça, et normalement vous arrivez pile poil dans le creux entre les deux dernières lignes de blocs comme ça, ok. On va faire plus épais, voilà, on va mettre un truc un peu plus épais et on va venir compter après à ce niveau là 1, 2, 2 blocs et demi, hop, comme ça. Est-ce que c'est pas un petit peu trop épais du coup? Je croyais que c'était comme ça, mais alors attendez, on va juste désépaissir vite fait pour voir ce que ça donne. Ouais, je crois que c'était comme ça, voilà. Donc c'était juste une ligne normale, fallait pas épaissir de ce genre de truc. Ok, donc on va faire la même chose sur les trois autres charpentes là-bas qui restent. Hein, donc je vous remontre ici, vous prenez le croisement à ce niveau-là, vous mettez sur la dalle, sur la partie haute, comme ça, et vous faites des marches en dalle jusqu'à toucher, hop, la charpente normalement dans le creux entre les deux derniers crans, les deux dernières marches de votre grande charpente en bois brut. 1, 2, 2 blocs et demi en dessous ici, et on met, hop, des escaliers comme ça, et vous avez votre deuxième charpente, etc, etc. Hop, voilà ce que ça donne. Vous voyez donc la charpente vue du dessous. Hop, c'est pas mal, moi j'aime bien. Alors, on va de l'autre côté du coup maintenant de la maison, de ce côté-là. Et on va faire cette partie-là du toit, vous voyez, donc là, ici. Alors, vous aviez cette grande poutre ici qui se prolonge sur la façade. De l'autre côté, on ne va pas faire la même chose, d'accord. Donc là, vous voyez, cette grande poutre-là, elle ne se prolonge pas par devant. Par contre,
ici, vous voyez les grands piliers ici. On va reprendre juste le dessus, on va mettre 3 blocs par devant, comme ça. La même chose de l'autre côté ici, d'accord. Et juste là aussi, 1, 2, 3, comme ça. Ok, donc on a ces poutres là. Hop, juste au-dessus du coup, on va venir mettre ici des dalles en sapin. Hop, sur 2 blocs par devant la façade, d'accord. Et on les pose sur sur le dessus, vous voyez, des bûches qu'on vient de poser. Et on vient les mettre ici jusque là, c'est-à-dire exactement les mêmes que ce qu'on avait mis de l'autre côté. Hein. Il faut que ce soit face en face, sinon on ne pourra pas faire le toit. Et pareil, on les place comme ça en escalier jusqu'à arriver à ce niveau-là. Ici, il y aura un mur et donc les dalles seront collées au mur à ce niveau-là, en face de l'autre en face. Jusque là, il n'y a pas bien de choses bien compliquées. Et on arrête de poser nos dalles à ce niveau-là, donc au niveau de la poutre qu'on avait mis tout à l'heure. Juste d'ailleurs, on va rajouter des piliers en dessous des poutres, là, comme ça, vous voyez. Pile au plein milieu, hop, comme ça, ici, là, ici, pareil. Mais pas sur la façade, par contre, on va mettre une grande fenêtre qui va faire hyper stylé. Et voilà, donc on met ces deux petits piliers-là, comme ça. Ok, normalement on a fini avec cette partie-là, en tout cas pour cette étape, et on va faire cette partie-là du coup. Normalement, vous n'avez pas encore toutes ces charpentes ici en diagonale sur le côté. Donc l'idée, vous prenez les piliers qu'on avait laissés ici, comme ça, vous voyez hein, tout ça sur le côté. Vous prenez ce pilier-là et ce pilier-là, vous mettez des charpentes comme ça en escalier, donc en bois en diagonale, pour rejoindre le bord ici jusqu'à la grande poutre centrale. Le milieu, on va faire un mix entre les poutres qu'on a laissées en oblique comme ça, ok, et les poutres comme ça, d'accord. Et donc on va mettre des poutres qui vont être à la fois en diagonale dans ce sens là et en diagonale dans ce sens là. Donc vous partez de ce pilier là, vous allez sur un bloc sur le côté et un bloc en hauteur en diagonale. Vous en mettez deux comme ça, hop, vous décalez d'un cran comme ça, d'un cran vers le haut, pareil, deux comme ça, hop, d'un cran, clac, 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 vous avez compris l'idée, jusqu'à arriver ici, normalement, à rejoindre le grand pilier central et la grande poutre du long. Voilà, vous faites la même chose de l'autre côté, d'accord. Et donc, ces grandes charpentes-là, on va les faire sur ce pilier-là. On va éviter celui-là et on va faire sur celui-là. Hop, sur celui-là aussi. D'ailleurs, je vois que j'ai oublié une bûche ici. Sur ce pilier-là, on va le faire aussi. Et sur l'autre derrière également. Il y a certaines sur lesquelles on ne va pas le faire parce que ce seront les emplacements des fenêtres. On va mettre des fenêtres à ce niveau-là, donc on n'en met pas. Ici, pareil, on met une charpente en diagonale et en escalier en même temps. D'accord. La même chose évidemment de l'autre côté du toit. Hop. Maintenant on va s'occuper de cette partie là. Vous reprenez la poutre qu'on avait mis ici en plein milieu tout à l'heure et vous la prolongez par devant sur 4 blocs de longueur. D'accord. Ici pareil sur les côtés. Cela vous prolongez de 4 blocs et de 4 blocs ici comme ça. Et là-dessus, vous pouvez placer du coup sur le dessus une dalle en sapin et vous pouvez placer des escaliers en sapin comme ça en escalier directement. Et normalement, vous allez directement en poser un sur la poutre ici, d'accord, comme ça. Et vous pouvez même prolonger sur le côté jusque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs. Donc sur le côté comme ça. Et après, vous pouvez aller dans ce sens-là. Pour venir juste à côté de ce grand pilier sur le côté, vous voyez. Et vous remontez pour revenir juste au niveau du pilier en question. Voilà. Donc ça va être vraiment les délimitations du toit, la bordure du toit que l'on va faire comme ça. La même chose de l'autre côté, hein, vous refaites un escalier en sapin comme ça. L'idée ici aussi, pardon, c'est qu'il faudra mettre des escaliers à l'envers en dessous. Hop, vous pouvez placer les escaliers comme ça, vous voyez, c'est peut-être plus clair comme ça. Et après, vous les placez aussi en dessous pour avoir quelque chose de plus joli. Ok, vous prolongez de 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 blocs, comme en face. Et arrivé au 7ème bloc, par contre, vous prolongez dans ce sens-là, d'accord ? Sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs de longueur sur le côté. Et après, vous remontez de 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs en hauteur. Vous refaire la même chose de l'autre côté, hein, vous voyez, donc ces deux escaliers qui sont côte à côte. Et vous redescendez de donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs. Normalement, vous arrivez tous à la même hauteur que juste avant. D'accord ? Arrivé là, vous continuez sur le côté, du coup, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 blocs. Ok. Pour un petit repère, normalement, vous êtes arrivé au même, à la même hauteur que cette ligne-là, vous voyez, de diorite qu'on a en dessous. Une fois que vous êtes arrivé là, on va remonter de 1, 2, 3, 4 blocs en hauteur. On va compter 1, 2, 3 blocs sur le côté. On va remonter en hauteur 1, 2. Et normalement, vous êtes sur ce bloc-là. Vous avez posé votre escalier sur cette grande poutre en bois qu'on avait laissée. Ok ? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs en hauteur. Vous comptez 1, 2, 3 blocs sur le côté. Vous remontez 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs en hauteur. 1, 2, 3 blocs sur le côté. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs en hauteur. Et sur le dernier, vous mettez une dalle. Ok. Normalement, vous avez bien cet effet-là. Un peu en escalier justement du bord du toit, d'accord. C'est pour donner cet effet là-bas, je vais vous montrer tout de suite. Vous voyez l'effet du toit ici comme ça qui est tac 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 en escalier justement. Alors, la petite astuce toujours, vous n'oubliez pas de mettre les escaliers aussi à l'envers en dessous de ceux que vous avez posés. Il y aura juste quelques exceptions. Alors, ça sera en partant du haut, on va laisser 1, 2, 3, 4ème. Le 4ème bloc, ici, on va le laisser, on va pas mettre d'escalier à l'envers, vu qu'on va venir ici poser des bûches de chêne, comme ça, à partir de la façade, jusqu'ici. Donc sur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs, du coup, sur la façade. On va faire la même chose de l'autre côté exactement. Alors, l'autre côté, je vous ai pas dit comment aller le faire. Donc en fait, on va faire la même chose, on va faire le symétrique par rapport à l'autre côté. On va compter ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs d'escalier dans ce sens-là. Puis après, 1, 2, 3 blocs sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs vers le bas. Pour l'instant, on s'arrêtera là. Après, il faudra rejoindre avec l'autre côté, mais pour l'instant, on s'arrête là. On met les escaliers à l'envers aussi, bien sûr, sauf évidemment à la même hauteur que celui qu'on a mis juste en face. Et on rajoute, si je peux cliquer, voilà, des bûches comme ça. Ok ? Ok. Alors, dernière petite chose. Ici, les grandes charpentes que vous avez mis ici sur le côté, on va les prolonger. Donc sur le côté, jusqu'à rejoindre la grande poutre que vous avez ici sur le côté. D'accord ? Donc ici, sur cette charpente-là, vous en mettez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs en diagonale, comme ça, en escalier. Voilà. Et normalement, vous touchez la poutre ici. Vous refaites la même chose à ce niveau-là. Vous refaites aussi la même chose ici, d'accord? Ici aussi. Et puis, c'est tout. Alors, c'est pas tout à fait fini. Vous reprenez du coup notre grande partie qu'on avait laissée comme ça ici. Et à ce niveau-là, est-ce qu'on avait mis... Je crois qu'on avait mis les piliers. Hein. Les piliers, normalement, vous les avez déjà. Donc l'idée, on va mettre, en fait, ces piliers-là, ces poutres-là, plutôt. Donc on va compter à partir du sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs de hauteur. Et au 7ème bloc, on va mettre une grande ligne qui rejoint les deux piliers ici. Hop, avec aussi, pareil, donc des morceaux de bois qui sortent de ce côté-là et de ce côté-là aussi, de ce niveau-là. Et tant qu'à y être, on va directement faire quelque chose que j'aime bien aussi. Ce sont des renforts, des espèces de supports qu'on va mettre en dessous ici. Vous mettez des blocs ici comme ça, en dessous. Et vous descendez en escalier comme ça, en dalle.
Hop, jusqu'ici. Vous voyez, ça colle pile poil comme ça. Vous partez de là et vous refaites la même chose comme ça. Alors cela, il me paraissent un petit peu léger. Je vais vérifier vite fait sur le modèle, mais à mon avis, j'avais un petit peu épaissi les charpentes ici. Vous voyez, donc ouais, on avait un bloc et demi de charpente, d'accord. C'est exactement ça. Hop. Donc on va épaissir un peu les charpentes. Paf, 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 paf. Comme ça et comme ça. Voilà. Et puis on va faire la même chose de l'autre côté. Hop. Ok, voilà ce que ça donne. Alors du coup maintenant on va faire vraiment les contours du toit sur la deuxième façade. Hein. Ça va être très similaire à ce qu'on avait fait en face. Vous prenez du coup la grande poutre centrale. Ok, vous prenez le deuxième bloc en partant de deuxième bloc ici. Vous mettez une dalle sur le dessus et sur le côté, vous mettez des escaliers sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs. Ok, vers le bas. Dans ce sens-là, vous mettez 1, 2, 3 blocs sur le côté. Puis à nouveau, 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs vers le bas. On va s'arrêter là pour l'instant. Après, vous mettez des escaliers à l'envers aussi, bien sûr, sauf à ce niveau-là, c'est-à-dire au 1, 2, 3, 4e bloc. En dessous, vous voyez, enfin sur le côté, tout simplement, on va reprendre des bûches de chêne et on va les faire venir comme ça. La même chose sur le côté, vous mettez votre dalle ici, 6 blocs vers le bas, 3 blocs vers le côté, re 6 blocs vers le bas, comme à chaque fois, hein, et vous laissez le quatrième bloc ici pour mettre, hop, une poutre en sapin. Une fois que vous êtes arrivé là, normalement votre bloc à ce niveau là est pile poil en face de l'autre partie du toit qu'on avait mis là bas, pile poil en face de celui là, vous voyez. Et donc l'idée c'est de rejoindre les deux. On va mettre des escaliers comme ça sur le côté, sur toute la longueur du bâtiment, et vous voyez que ça frôle l'autre bois, l'autre toit en dessous. Hop, 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 hop. Et on fait ça jusqu'au bout. Hop. Voilà, donc on a fait toute la ligne d'escalier ici, et vous voyez que, eh bien, on a rempli, en tout cas, les contours de notre toit. Donc maintenant, il nous faut finir le toit, tout simplement. Alors, je vais faire le toit en deux temps. Hein. Là, vous voyez, vous avez des fenêtres qui ressortent du toit, hein, ici et là, de l'autre côté, et sur la partie ici aussi, vous voyez. Pour l'instant, on ne va pas les faire. Moi, je vais faire comme je fais d'habitude, c'est-à-dire que je vais mettre tout un grand toit d'un seul coup uni, et après, une fois qu'on aura fait ça, je vais revenir pour faire les trous des fenêtres. Mais je sais que certains parmi vous aiment bien faire les fenêtres directement, aiment faire les choses directement tout de suite, et ne pas avoir besoin de revenir dessus après. Donc, si jamais vous êtes parmi ces gens-là, eh bien laissez des trous à peu près comme ça, c'est-à-dire, vous voyez, prenez comme repère la partie en bois qu'on a fait ici, et deux fenêtres au-dessus et trois fenêtres encore au-dessus pour laisser des trous si jamais vous avez envie de ne pas avoir besoin de refaire le toit après. Bref, du coup, je vous invite à venir prendre vos dalles en chêne, donc ça j'en ai déjà, ainsi que vos escaliers en chêne, ok. Et on va remplir le toit. Donc sur ce toit là, on a déjà tout délimité. Donc en gros, il nous faut, hop, mettre des escaliers en chaîne ici, vous voyez. Tac, tac, tac sur les côtés. Alors, truc aussi qui pourrait être pas mal, hop, c'est de prendre des planches de chaîne et de voir que ici, là, vous voyez, entre les poutres, entre les piliers, il y aura des murs comme ça, d'accord. Et donc il faudra toujours s'arrêter juste avant pour pas prolonger les toits dans le mur, en fait, c'est ça l'idée. Donc on va faire ça comme ça, ici comme ça, et comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Alors voilà, hop, 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 vous voyez, et on arrive pile poil là où il faut. Est-ce que j'avais prolongé la dalle de sapin sur toute la longueur ici? Je ne crois pas dans mes souvenirs. Je vais quand même vérifier. Ah si, vous voyez, j'ai prolongé la dalle sur le dessus ici.
Ok, très bien. Hop. Bref, et donc on remplit toute cette surface-là de d'escalier. Et hop. Voilà ce que ça donne. Alors du coup, une fois qu'on a notre toit comme ça, ce que l'on peut faire, c'est reprendre l'escalier qu'on avait laissé ici. Vous voyez, on avait laissé ça dans le vide. Et donc, on peut prendre le bord de l'escalier et mettre des escaliers à côté pour faire une ligne qui viendra se coller au toit ici, comme ça. Vous voyez? Alors, pour que ça colle vraiment bien. Alors, attendez. Parce que dans l'idée. On va venir mettre des escaliers comme ça par-dessus. Vous voyez? Hop. Et donc, tous les escaliers qu'on a ici, en fait, vous voyez, sur la tranche, là, juste en dessous, on va mettre des blocs. En fait, vous voyez comme ça. Là, on enlève celui-là, on met un bloc à la place. Parce que, hop, ça va être plus facile pour faire les raccordements ici. Vous voyez là, les escaliers ici et les escaliers ici se raccordent, alors que si on avait mis juste un escalier comme ça, bah là il n'y aurait pas eu de raccord. Donc on met des blocs à la place juste en dessous au niveau des jointures. Voilà, et sinon on remplit toute cette surface là avec des escaliers en chaîne. Allez, let's go. Hop. Voilà pour la partie du toit ici. Donc voilà, l'idée c'est qu'on va vraiment remplir ce toit de la même façon partout ici, là vous voyez, donc en respectant les délimitations qu'on a mis ici. Vous voyez, avec cette partie-là du toit, on mettra le toit dans ce sens-là et le reste du toit comme ça. Pareil, on respectera les limites ici aussi, partout. Et ben voilà, je pense que c'est relativement clair. Et évidemment, on n'oublie pas de mettre la dalle en sapin sur le dessus ici. Vous voyez, sur la longueur. Hop. Yep, en évitant de faire ce que je fais, évidemment, hein, des petits problèmes. Voilà, comme ça. Voilà. Bon, bah allez, on va faire ça sur toute la surface du truc. Ça va prendre un peu de temps. Yep. Voilà ce que ça donne. Alors, on va faire l'autre côté aussi. Donc, à faire l'autre côté est plus simple, évidemment, on le comprend bien. Vous voyez, donc, hop, à partir de là-bas, hein, tous les contours sont bien délimités, donc il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à. Let's go. Et hop, alors. Voilà un peu l'histoire. Donc, comme je disais, c'est pas fini, il faudra mettre des fenêtres dedans, mais on fera ça juste un peu plus tard. Moi, je vais faire aussi cette partie-là du toit aussi. Voilà. Donc, déjà, tout de suite, on va prendre les dalles de sapin. On va en mettre une ici sur le côté de nos poutres. Parce qu'ici, voilà, c'est un peu particulier sur le toit de cette partie-là, puisque il y a le centre du toit est double. Vous voyez, il y a deux blocs pour le centre du toit. Donc, c'est un peu particulier. Je mets une dalle de sapin juste sur un seul côté parce que je trouve que ça fait mieux. Ici, on va rajouter une dalle aussi en sapin. Donc, on va reprendre le bordure de ce toit-là et on va prolonger ici les dalles de sapin jusqu'au sommet ici. Vous voyez qu'on avait fait déjà. Le reste, on va mettre des dalles en chaîne absolument partout. Tout ici pour remplir la surface. La même chose ici. Ici et de l'autre côté ici, pareil, on va mettre des dalles en sapin partout, partout. Allez hop, let's go. Faudra juste pas oublier qu'il y a une partie qui est sous ce toit-là, hein, qu'il faudra aussi mettre. Hop. Alors, chose aussi à voir, c'est que lorsque vous allez remplir de dalles comme ça, vous allez vous rendre compte qu'au niveau des charpentes, vous avez des trous. Vous voyez, au niveau des blocs de chaîne ici, comme ça, un coup sur deux, vous avez un trou. Et donc, il faudra boucher ça, hein. On va mettre des dalles en sapin, pas du tout, des dalles en chaîne comme ça au niveau des trous avec la charpente, comme ça, vous voyez, et on le fera partout, hop, avant de poursuivre, bien sûr, sur le reste de la maison. Voilà. Et on fait tout ça. Ok, donc on a fini le toit. J'ai mis aussi les repères, comme vous pouvez le voir, pour les fenêtres, et c'est ce qu'on va faire maintenant.
Alors, on va prendre donc la deuxième marche de dalle à partir du sommet ici, ok. On va venir compter à partir du côté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 blocs, ok. Et au 12e bloc, vous remplacez la dalle en chaîne par une dalle en sapin et vous faites une petite ligne comme ça de 6 blocs de large, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Et à partir de là, vous allez faire hop, un autre escalier comme ça, des marches en dalle, hop, comme ça sur la longueur. Et là, ça va nous donner les contours de notre fenêtre. Donc, on creuse tout ça. Voilà. Youp. Comme ça, vous voyez. Non. Un peu. Et on fera l'autre fenêtre exactement de la même façon, hein, juste à côté. Voilà, et à l'intérieur, si on peut passer à l'intérieur, je... Attends. Heureusement qu'il n'y a pas encore les autres fenêtres ici et les murs. Voilà, donc on enlève les choses à l'intérieur qui peuvent gêner, et on garde ça comme ça. Et voilà, donc il faudra faire la même chose en face de l'autre côté, et il faudra faire la même chose ici. Alors ici, il faudra prendre sur la même hauteur, la même marche. À partir de là, il faudra compter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 blocs à partir du bord là-bas. Ok, et sinon on fera la même chose. Hop. Ok. Donc voilà, comme je disais, la même chose de l'autre côté ici. Ok, maintenant les fenêtres dans le grand toit à ce niveau-là. Donc j'ai mis des repères. L'idée, c'est qu'il va falloir compter à partir du bout ici, à partir de la façade, donc la façade ici, d'accord. Hop, on va prendre de là jusqu'à de là. On va compter 24 blocs au total ici, donc sur la partie en dalle en sapin, hein, d'accord. Pas au niveau de la poutre, mais uniquement la dalle en sapin. Et vous comptez 1, 2, et voilà, sur le troisième bloc, vous mettez une dalle en sapin aussi. Vous allez la mettre sur 5 blocs de longueur, 2, 3, 4, 5, d'accord. Et sur le côté, alors en dessous, on va mettre un bloc, et sur le côté, on va mettre des escaliers, hop, comme ça. Et hop, ici et là. Donc voilà, hein, vous prenez le milieu et vous mettez 4 escaliers de chaque côté, ainsi que des escaliers à l'envers, bien sûr, comme à chaque fois. Yop, yop, yop. Et puis. Hop. Hop, hop, hop. Voilà. Ok, et l'idée, c'est qu'on va devoir faire exactement la même fenêtre après aux autres emplacements. On va juste finir au niveau de l'intérieur de la maison aussi. Il va falloir penser à une chose, c'est que sur le dessous du toit, il faudra penser à mettre des escaliers à l'envers. Ok, ici, là, comme ça, vous voyez. Et il faudra le faire sur tout le toit à l'intérieur. Donc ça prendra un petit moment, ça aussi, hein. C'est un double toit finalement. Et voilà, moi je le fais pas pour pas perdre de temps au niveau du tutoriel de la vidéo, mais voilà, il faudra le faire. Hop, je le fais vite fait parce que voilà. Et autour de la fenêtre, ok. Et donc autour de la fenêtre, maintenant qu'on a ça, on va venir mettre de la vitre. Parce que c'est quand même mieux des vitres avec des fenêtres. Non, attends. Des fenêtres avec des vitres. Voilà, c'est un peu mieux. Hop. Voilà, donc on mettra des vitres comme ça. N'est-ce pas? Et puis, youp. Voilà, donc on fera la même, exactement la même fenêtre. Ici, là-bas. Et sur les autres repères que je vais vous donner, dont je vais vous donner les emplacements.
Donc, on va revenir sur notre front ici, donc notre façade. On va venir compter à partir de la dalle à ce niveau-là, jusque... Hop, ici, jusqu'à 39 blocs, d'accord ? Et compter 1, 2, 3 blocs en dessous, et on mettra la même chose que ici, évidemment. Il faudra, pour ces deux fenêtres ici, faire exactement la même chose de l'autre côté. Vous prenez les mêmes... les mêmes blocs en comptant à partir du bout là-bas, hein, les mêmes blocs, et vous refaites la même chose ici, la même chose ici. Alors pour le troisième à ce niveau-là, on va compter à partir de là, d'accord, je crois que c'est 10, 12 quelque chose, on va voir, 17 peut-être, 17 voilà, 17 blocs à partir de la dalle d'ici, clac, et vous descendez de 2 blocs et demi, encore une fois ici. Normalement vous avez vos 3 fenêtres à ce niveau-là, d'accord. Sur les deux à ce niveau-là, vous prenez le premier cran ici, le deuxième cran ici, dans les dégradés du toit, hein, d'accord. Premier cran, deuxième cran, vous prenez le coin à ce niveau-là. On va monter de 1, 2, 3 blocs. Et on va compter, youp, 18 blocs sur le côté. Et juste devant, on va mettre la dalle pour faire le toit. On continue sur le côté sur la même ligne et on va mettre... 33 blocs pour le deuxième, la deuxième fenêtre, d'accord, qui viendra ici comme ça. Voilà, donc normalement vous avez toutes les infos qu'il faut. Alors, on va faire aussi quelque chose que j'aime bien, qui est vraiment sympa et que vous-même, vous m'avez donné des bons retours dans des dernières vidéos, sur les dernières maisons que j'ai fait. C'est cette espèce de dégradé, là, vous voyez. On a, au niveau du toit, tout un tas de petites mosaïques en différents types de couleurs. Il y a tout un tas de bois, de sapins qui sont incrustés dans les bois de chêne. Et ça donne un côté sympa, un côté naturel qui est plutôt, plutôt bienvenu. D'autant plus que là, il s'agit de quelque chose de RP, si je puis dire, de logique. Puisqu'on est en dessous d'un arbre géant et donc à l'automne, il perd ses feuilles. Et ça dégrade un petit peu plus vite le toit de ce côté-là plutôt que le reste du toit. Et donc c'est logique en fait finalement qu'il soit un peu sale. Mais ça donne... C'est bien, voilà. Vous avez compris ? Vous avez compris. Donc, je vais vous faire la démonstration sur cette partie-là ici. En gros, on va mettre un petit peu plus d'escaliers comme ça en... Voilà, si j'arrive à les mettre correctement. D'escaliers en sapin. Pourquoi ils se mettent toujours à l'envers? C'est une carabistouille, ça. Oui, je parle avec des expressions des années 20. Hop. Vous voyez, donc on en met pas mal sur cette ligne-là, on mettra évidemment sur toute la ligne ici, et la même chose de l'autre côté de la maison. Moi, je vous montre que sur cette partie-là, évidemment, il faudra faire partout pareil. Et, hop, mais pourquoi ils se mettent à l'envers? Et donc, l'idée, c'est de les mettre de manière assez aléatoire, comme ça. Et de les mettre de moins en moins fréquemment, plus on descend, en fait... Vers le bas, moins on en met, et plus on est proche du sommet, plus on en mettra. C'est un peu ça l'idée. Hop. Bref, on en met, voilà, c'est très aléatoire, hein, comme je disais. On essaie de pas faire de schéma dans les patterns, il faut vraiment qu'il n'y ait pas de ressemblance, de dessin ou quoi que ce soit. Il faut vraiment que ça soit complètement, complètement désordonné. Voilà un peu donc ce qu'on peut avoir sur un petit morceau de toit. Et l'idée, bien sûr, c'est que voilà, comme je disais, on refera partout pareil, ainsi que de chaque côté du toit, sauf sur la partie en dalle. La partie en dalle, on va pas le faire parce que ça serait too much, du coup, ça serait trop. Voilà, le faire que sur une partie du bâtiment, c'est bien, je pense. Et vous voyez l'idée, hein, donc on en met vraiment plus au-dessous, en dessous de l'arbre, et de moins en moins, plus on va vers le bas, jusqu'à plus en mettre du tout après sur les côtés, comme ça. C'est ça l'idée. Alors maintenant, du coup, ce qu'on va faire, c'est que... Ah bah tiens, je vais vous montrer. C'est là un renforcement du toit, c'est-à-dire que sur la partie en dalle, vous voyez le toit en dalle, on va faire des dégradés, ok, on
va avoir le toit classique ici qui se termine comme ça. Puis après, on va avoir une couche de dalles en chêne. Puis une couche de dalles en sapin. Donc le toit va être vraiment assez épais au final, avec trois couches de dalles au final. Et pour donner cet aspect un peu chalet justement à la maison. Alors que si on avait un toit justement d'une seule et unique couche, ça ferait un petit peu léger. Donc on va faire ça. Mais on va pas le faire à l'intérieur de la maison, on va le faire juste sur les parties extérieures. Donc ça sera déjà beaucoup moins long à faire. Donc on a la partie extérieure ici. Et nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir une partie comme ça sur le côté. Vous voyez, donc on en met une en dessous comme ça. D'ailleurs, on n'en met pas ici. On va laisser sur la dernière là. On va rien mettre du tout. On va laisser le toit à cette hauteur là maximum. Et derrière ça, on va mettre... Alors oui, autre chose. Il y a certains piliers, certaines poutres qui vont dépasser du toit aussi. Donc notamment à ce niveau là. Alors, pour mettre cette poutre ici, il va falloir prendre comme repère ce pilier là, vous voyez, et vous comptez 1, 2, 3, 4, 5 blocs. Au cinquième bloc, vous mettez une poutre, pardon, à ce niveau là, donc de 3, 4, 5, 6 blocs de long. Ok, vous faites la même chose de l'autre côté ici, hop, tac, 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 et comme ça on aura vraiment ce côté chalet qui va vraiment ressortir. Vous reprenez les dalles en sapin du coup, hop, 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 jusqu'ici. Oui, on laisse un côté lisse comme ça sur les côtés, pour avoir vraiment un effet de pointe du toit comme ça, pour que ça soit plus joli. Et cet effet-là, alors les dalles en sapin, on va les prolonger jusqu'au mur. Hop, 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 vous voyez l'histoire, pour que ça donne vraiment cet effet-là. Et en fait, c'est un effet assez intéressant parce que, si, je sais pas si vous avez remarqué, cette ligne-là paraît plus foncée que cette ligne-là, alors que ce sont les mêmes blocs. Vous voyez, ce sont exactement les mêmes blocs, ce sont des dalles en sapin dans les deux cas. Sauf que ça nous donne une illusion d'optique. Ici, le fait d'avoir un contraste avec le ciel et en voyant les blocs par-dessous avec une légère ombre, finalement, eh bien fait qu'on a un contraste et on a l'impression que ces blocs-là sont plus foncés que ceux qui sont ici, qui sont entourés par des blocs un peu plus sombres et qui, du coup, paraissent plus clairs pour nous. Vous voyez ? Et ça joue sur un petit contraste, un petit effet d'optique, comme ça, un petit effet visuel, qui est encore plus classe, du coup... Et qui est vachement bien. Donc on va faire ça. Hop. Voilà, bref, vous faites ce schéma là sur tout le toit ici, sur le toit là-bas. Alors en dessous ici, ça peut être un petit peu embêtant vu qu'il y aura les charpentes et tout, mais c'est pas grave, vous le faites exactement de la même façon. Le truc, c'est qu'il faudra juste mettre les parties en dalles en sapin uniquement. Entre les charpentes à ce niveau là, vous voyez, et là-bas aussi. Allez, on va faire ça. Hop, voilà ce que ça donne du coup. Le dessous du toit, il est quand même vachement plus classe qu'avant, on va pas se mentir. Alors, on va faire deux choses maintenant, deux choses importantes. Ce sont les murs et les escaliers. On va commencer par les escaliers de la plateforme. On va faire les escaliers aussi pour les jardins. Alors donc, on va reprendre les endroits où on avait laissé rien du tout, et on va mettre des escaliers à la place. Regarde, paf, 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 voilà, magnifique, incroyable, superbe, et vous n'avez plus qu'à faire tout pareil, en gueulant exactement de la même façon, évidemment, parce que sinon, ça marche pas, évidemment. Si tu gueules pas, les escaliers ne se mettent pas sur ton jeu. C'est une preuve scientifique tout à fait. Non, j'ai fini ma phrase. C'est une preuve scientifique tout à fait. Voilà, pas un point, voilà. Bref, vous faites ça comme ça avec des escaliers à l'envers aussi en dessous, et vous mettez des troncs d'arbres
découpez sur le côté de vos escaliers. Boing, boing, hop. Non, vas-y, tu le mets là, voilà. Et puis, voilà ce que ça donne. Tada, c'est un truc de fou, c'est magnifique, c'est un truc de gueudin. On va faire la même chose du coup. Ici, je crois que c'est un petit peu plus large. Il y a 5 blocs de large. Voilà, donc on a 5 blocs de largeur d'escalier ici. Vous refaites la même chose. Sinon, il y a les deux autres escaliers de l'autre côté, évidemment. Hop, ici, voilà. Et là-bas, à ce niveau-là, d'accord. Ici, comme ça. Alors le trou ici, on mettra un arbre dedans, on fera ça juste après, on fera un peu plus tard. On va mettre les escaliers pour les trucs, les jardins suspendus comme ça, enfin pas suspendus mais les jardins en hauteur. Heureux, mon enregistrement a foiré, je ne sais pas pourquoi. Donc on va faire les escaliers. Donc vous prenez cette partie là, ces jardins ici. On va compter 1, 2, 3, 4, 5 blocs de décalage sur le côté. Les deux blocs d'après, on va mettre des escaliers à la place. En durite, des escaliers en durite poli. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Donc voilà, j'en avais déjà fait d'autres, en fait, des escaliers. Déjà, j'avais déjà mis ceux-là et ceux-là, en gros. Donc voilà, hein, sur le côté ici, des escaliers à la place de la durite. Des escaliers comme ça, tout simplement, il n'y a pas beaucoup besoin d'explications en vrai. Hein. Ici par contre, on va laisser à partir du bord de la maison 1, 2, 3 blocs et 1, 2, 3, 4. 4 blocs qu'on va remplacer par des escaliers en diorite. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Et on va mettre des murets sur les côtés, bien sûr. Voilà, ça fait des escaliers bien bien larges. De ce côté là, on va mettre des escaliers ici sur le coin, ici tu vois, donc de 2 par 2. Hop, ici pareil, on va laisser 2 blocs par rapport au bord ici, et on fait ton escalier. Et ici, on mettra l'escalier de 4 de large, juste entre les deux piliers ici, vous voyez. Et puis voilà, donc avec les bords sur les côtés aussi et tout, nickel chrome. Voilà, donc maintenant... on va mettre les murs. Quand même, pour une maison, c'est vrai qu'il serait temps de mettre des murs, tu me diras. Alors, encore une fois, je vais utiliser la même technique que ce que je fais depuis d'habitude. C'est-à-dire que je vais mettre les murs complètement pleins partout. Et après, ça sera... Et après, on creusera dedans, on enlèvera des blocs pour pouvoir mettre les fenêtres. D'accord ? Et voilà, donc je sais qu'il y en a certains qui parmi vous n'aiment pas trop cette façon de faire, mais je vais garder cette façon de faire là quand même. Parce que voilà. Donc, j'ai mis au niveau du sol ici, vous voyez, des lignes de bois. Et ces lignes de bois sont censées représenter tous les emplacements au niveau desquels on mettra des murs. D'accord ? Donc je vous laisserai voir... les emplacements partout. Je vérifie juste que j'ai bien tout mis, que j'ai rien oublié. Ah voilà, donc faudra pas oublier aussi de mettre des, vous voyez, donc on est à l'intérieur de la maison ici, hop, de mettre du bois ici aussi parce qu'il y a des trous, hop, voilà. Donc voilà, je prends une petite potion de visibilité ici aussi. Faudra pas oublier de reboucher, donc on a 2 blocs ici en hauteur. Paf 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 paf. Non, je vais pas gueuler ce coup-ci encore une fois. Donc, premier étage. Vous mettez des murs sur tous les côtés ici, vous voyez. Pareil sur tous les côtés ici, sauf sur les façades. Ici, les façades, on mettra du verre, bien sûr, des grandes vitres. On fera les façades à part entière parce que c'est quand même assez important. Ici, au niveau du bas, vous en mettez pas partout. D'ailleurs, j'en ai oublié, voilà, je savais bien. Ok. Voilà, vous en mettez ici aussi. À ce niveau-là, on va avoir un tunnel qui nous permettra d'aller directement de la terrasse vers l'arbre, le grand arbre au milieu. Donc, on met rien ici. L'arbre, les murs continueront ici, comme ça. Ok. Et ici aussi, comme ça, sur tous les côtés, tout ça. D'accord.
On met bien un mur de séparation ici aussi. Donc ça, c'était pour le premier étage. Le rez-de-chaussée, on l'a déjà fait normalement, je crois, hein, avec tous les murs en comme ça, en sapin. Deuxième étage. Donc au niveau de la partie centrale, on mettra juste sur les côtés, vous voyez, hop, sur tout le long de tous les côtés, comme ça. Voilà, sauf façade, évidemment, toujours pareil. Ici, pareil, sur les côtés aussi. D'ailleurs, on mettra également, hop, des murs ici. Et ici aussi. Comme ça, je le mets pour la prochaine fois. Ah, j'ai oublié des trucs quand même. Voilà, donc ici, on met tout. Ici, pareil, on comble complètement. Ici, pareil, hein, pour situer. Hop. Ici, pareil. Vous avez compris l'idée. Ok. Donc, troisième étage. Donc, la partie centrale, on met tout partout, des murs hein, sur tous les côtés, là aussi. Voilà, et on laisse le devant et l'arrière, pareil. Ici, du coup, comme je vous l'ai dit, on met des murs à ce niveau-là. On va en mettre ici aussi. Et ici aussi. Hop. Les murs de l'autre côté, on va en mettre évidemment sur... voilà. Mais pas à l'arrière, parce que dehors, ça sera la terrasse. Sur cette partie-là, on va mettre les murs ici. Hop. Voilà, donc ça, je vous ai montré. Les murs sur toute cette partie-là. Bon, il y aura d'immenses fenêtres, mais on va les mettre quand même. Il y aura des murs ici. Donc, ici sur le bas, sur toutes ces parties-là. Mais aussi à ce niveau-là. D'accord. Et ici, sur la séparation. Voilà. Donc voilà. Normalement, vous avez l'emplacement de tous les murs. Hop. Alors, ouais, on va les mettre ici, comme ça, quand même. Hop. Bref, voilà. Faudra pas oublier aussi de les mettre, de mettre des blocs de bois à ce niveau-là, juste en dessous du toit finalement, et bien sûr de mettre des escaliers à l'envers aussi au toit à l'intérieur de la maison. Hein. Ça faudra en mettre bien partout, et donc au final ça donnera un aspect comme ça avec des escaliers qui vont venir ici comme ça. D'accord ? Hop, et on fera la même chose des deux côtés. Hop. 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 Ok. Bon. Ah, je suis bloqué. Oui, d'accord. Donc voilà. On va mettre les murs. Et puis on se retrouve juste après. Hop. Voilà pour les murs. Mesdames et messieurs. Donc on voit quand même que notre maison a pris un petit peu plus de tronches hein, depuis tout à l'heure. Quand on a commencé la vidéo, je ne vais pas pouvoir aller plus loin aujourd'hui dans la construction de la maison, mais c'est vrai que bon, on a avancé, ça c'est mine de rien, on peut pas le nier. Donc on verra la suite la prochaine fois. Donc j'aurais bien voulu faire les façades aujourd'hui, mais ça sera pour la prochaine fois. Donc la prochaine fois on verra les façades, évidemment, bon, les fenêtres, les portes et toute la circulation dans la maison, les finitions bien sûr, et j'essaierai de faire l'arbre aussi. L'arbre peut-être dans une vidéo à part entière, je ne sais pas, on verra bien. Mais en tout cas, voilà, là, j'ai pas mon skin, c'est dommage. On va pas quand même partir sans la canne à pêche habituelle. Hop, parce que quand même. Et puis, ben voilà, si jamais vous avez des questions, bien évidemment, c'est le moment ou jamais pour les poser avant que je tourne la troisième partie du tutoriel. Donc, voilà, si vous avez des questions, vraiment posez-les. Et sur ce, on se retrouve la prochaine fois pour la suite du tuto. Je vous souhaite à tous un très bon jeu, bon vent matelot et à la prochaine.